Et alors, autre question un peu plus générale, est-ce que l'insomnie a des conséquences sur la santé mentale? Oui, effectivement, les insomnies ont des risques. Dans la définition de l'insomnie, on va avoir une plus grande irritabilité et on sait que l'insomnie est un plus grand risque de dépression. L'insomnie peut être un signe de dépression et peut être également une cause de dépression. Est-ce qu'il y a des risques à ne pas dormir pendant plusieurs jours? Alors oui, il y a des risques plutôt effectivement sur le plan psychologique. On s'est rendu compte que s'il y avait trop de nuits sans dormir, ça pouvait être plus à risque de mauvaise conduite, on va dire ça comme ça. Et on sait que ça a tendance à aussi entraîner des comportements à risque plus importants, des prises de décision plus rapides. Allez, ça y est, je claque, j'achète la maison, j'achète la voiture. Voilà, ça, tout ça, on est un peu plus réactif, mais pas forcément dans le bon sens. Donc plus de prise de risque si on dort mal. Plus de risques d'accident également si on a trop d'insomnie, on va dire ça comme ça. Comment le corps peut tenir là, dans le cas d'Aurélien qui ne dort pas depuis plusieurs jours, comment le corps tient aussi longtemps sans sommeil? Le problème des personnes qui souffrent enfin le problème non c'est les personnes qui souffrent d'insomnie arrivent à s'adapter. Donc souvent c'est des gens qui nous disent je dors pas, je dors peu et pour le coup j'arrive à tenir. Donc elles ont réussi à mettre en place des mécanismes d'adaptation. Mais effectivement en général elles vont ne pas dormir pendant plusieurs jours, puis faire une bonne nuit, puis ne plus dormir pendant plusieurs jours, puis faire une bonne nuit voilà, ponctuellement. On va dire un peu le yo-yo comme on peut le retrouver dans d'autres pathologies comme les personnes en surpoids qui vont se restreindre, se restreindre, se restreindre, et puis vont s'enfiler 3-4 éclairs au chocolat, j'en fais partie, voilà. Voilà, donc on va faire un peu le yo-yo, ça peut être pareil pour le sommeil.